je vais éteindre la lumière, il n'y en a pas besoin. C'était pour vous montrer que j'étais avec les chats. Voilà. J'ai le téléphone avec moi. Bon, au cas où, on ne sait jamais, hein. Je peux trouver un blessé par terre. Il faut que j'appelle Samu. Hein. Donc, je téléphone avec moi, on ne sait jamais. Pardon. Hier, j'avais préparé ma vitamine et tout. Et j'ai complètement oublié, je ne l'ai pas bu. Je perds la bouboule en ce moment. Je perds la bouboule. Hein. Bah d'ailleurs, la preuve. Ah, Missy! Missy! Ma belle Missy! Que si elle ne me fait pas un câlin, Missy, je sens que je vais lui faire un gros bisou à Missy. Missy! Ah, je savais bien que j'avais vu Missy quand même. Viens ma chérie. Viens ma chérie. Non, Titi, Missy va pas venir si tu viens. J'appelle Missy et voilà. Et voilà. 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 Et voilà. Et voilà. Titi. Missy. Bon, vous n'allez rien voir. Voilà, Missy, elle est là. Vous ne voyez rien avec ma lumière. Missy, ma chérie. Oui, ma chérie. Voilà, voilà, et voilà, j'ai pas eu le câlin de Missy. Bonjour, hein. Ah, Missy, Missy, moi, il faut que je lui fasse un câlin, ma chérie. C'est ma chérie adorée, hein. Hein, Missy. Allez, viens, ma belle. Bon, c'est pas grave, je l'aurai ce soir ou... non, ce soir. Je l'aurai plus tard. Hé, Pupus, c'est qui, ça? Qui c'est qui est là? Alors attendez, c'est qui? C'est Lise? Bon, vous y voyez rien, mais il y a un chat là. C'est qui? Qui tu es toi? Pompon? Non, c'est pas Pompon, t'es plus jeune toi. Je sais pas si vous y voyez, non, vous y voyez. Et puis je vais pas m'approcher, le pauvre, je vais lui faire peur, il ne me connaît pas. Non, c'est pas Lise, c'est pas Pompon. Je crois que t'es plus jeune, toi. Hein? Oui. Ah ben, des noirs et blancs, il y en a plein partout. Hein? Allez, viens, ma chérie. Viens, viens, ma chérie. Viens. Ben oui, il faut... Ben, bien sûr, il faut que ce soit moi qui me déplace. Hein? Oui, ben, bien sûr, tu vas me faire courir encore. Mais bien, mais voilà, voilà. Oh, écoutez. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, là, c'est la petite sortie. Ouais, donc je disais que hier. Monsieur là. Ouais, hier, bah écoutez, pour vous dire, hier, j'étais persuadée qu'on était samedi. Hein. C'est hallucinant, quoi. Je m'en vais pour faire le marché et tout.
En plus, j'étais assise devant le McDo, j'attendais la navette. Oh, le calais à Mexico, qui j'étais. Ouais, le calais à ma chérie. Oh, c'est mon plus adorable. Oui, donc il y avait un monsieur, on attendait la navette, et lui était revenu de Lidl, il avait deux sacs bien chargés et tout, puis ah, il t'apporte, hein. Vous savez, on se dit bonjour, hein, on n'est pas des sauvages quand même. Et puis il avait acheté plein de trucs, il m'a dit on est deux, donc bon, pour moi il y a une femme, hein, que je ne suis pas là pour draguer de toute façon, donc... qu'il soit en couple ou pas, je suis pas là pour... Et on a papoté un peu, tout ça. Et puis en plus, je lui disais que je vais au marché et tout. Mais vraiment... Mais le mec, je sais même pas s'il a capté qu'il n'y avait pas de marché, quoi. Parce que le mec, il m'aurait dit, non, il n'y a pas de marché aujourd'hui, on n'est pas samedi. Hein? Quoi? Comment ça, on n'est pas samedi? Ben, j'aurais appuyé sur le bouton pour descendre et repartir. Je n'aurais pas monté jusqu'en haut. Non, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai hallucinant. Alors là, j'ai plus la notion du temps, j'ai plus la notion d'heure. Des fois je me réveille, j'ai fait la sieste, je me réveille et je ne sais plus si c'est le matin, si c'est l'après-midi, je ne sais plus, je ne sais plus, je cherche dans ma tête, mais au fait, il fait jour, hein, non, quelle heure il est Bon, mais du coup, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Hier, j'ai pris la navette. Hein. Donc aujourd'hui, non, je ne vais pas y aller. J'ai vraiment la flemme. Ah non, c'est bon, je ne vais pas y retourner. Pardon. Allez, qui m'aime me suivant. Ils sont en train de renifler les odeurs un peu partout. Ah ben c'est ça les chats, ça, il faut que ça renifle les odeurs. Hein. Alors hier sur YouTube, il y a une personne qui m'a écrit, que je connais pas, hein, en tout cas, bon, d'après la photo, bon, est-ce que c'est une vraie photo ou pas, je connais pas, mais elle m'a écrit, alors attendez, parce que moi, vous savez, retenir ce qu'on m'a écrit. Ouais, par rapport là, vous savez, au stick déodorant, tout ça, que j'ai marqué, etc., etc., et donc, elle m'a écrit qu'il fallait que j'arrête le laitage et que la viande, c'était acidifiant ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voilà. Elle m'a écrit tout ça. Et du coup, ben moi, je lui ai remercié, hein, d'ailleurs.
Je les remercie. Et voilà, et puis j'ai marqué que je ne mangeais plus donc, de viande du poisson depuis fin 2007. Voilà, donc j'ai 48 ans. Tout ce qui est trop laitage, tout ce qui est laitage, de toute façon, j'ai réduit énormément. Énormément. La seule chose que je mange encore, là où je craque, ben en ce moment, c'est les glaces. C'est les glaces, c'est les gâteaux. Voilà. Là, le fromage que j'ai acheté, c'était du fromage de chèvre. Ou de brebis, je ne sais plus. Quand j'avais filmé à Lidl. Voilà, c'est le dernier truc que j'ai acheté, c'était ça. Mais sinon, j'ai craqué sur les glaces et les gâteaux. Alors souvent on me dit, quand je parle avec les personnes, hein, bien sûr, mes connaissances, tout ça, ouais, mais j'ai une amie là, à la retraite, oui, mais bon, de temps en temps, tu peux quand même craquer. Oui, mais le souci, c'est que là, dernièrement, sur 4, 5, 6, 7, 8, sur 8 glaces, j'en ai mangé 4 dans la même journée et après j'ai commencé la cinquième, la sixième et j'en ai laissé deux pour le lendemain. Donc là je me suis dit non, ça va pas. Ça va pas. Et puis ce qu'il y a, c'est que quand on a trop accumuler de choses dans le corps, dans l'organisme, craquer de temps en temps, ben, ça s'accumule quoi. Ça s'accumule dans l'organisme. Voilà. Les artères se débouchent pas. Vous voyez? Là, il y a mon copain l'arbre. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez le voir ou pas? Là, vous voyez ici? Là, voilà. Vous voyez là? Hop, j'éteins la lumière. Allez. Je reste avec mes chats. Ici, tranquille. Je reste planqué ici sous l'arbre. J'ai changé mes horaires un peu de sortie par rapport à mes chats là. J'ai changé d'horaire parce que bon déjà le soir à 20h il fait trop chaud. Il fait trop chaud, mais surtout depuis plus d'un mois passé, depuis un bon moment là, il y a un mec qui traîne là. Bon, il m'a jamais agressé, hein, il m'a jamais insulté. Hein, voilà. Mais bon, je n'aime pas quand on me regarde avec insistance. J'ai horreur de ça. Surtout venant d'un homme. Voilà, on ne sait pas ce que le mec il a dans la tête. Normalement, bon, il est... Voilà.
J'ai déjà dit bonjour, je lui ai parlé une fois. Voilà. Mais bon. Normalement, normalement, entre ce qu'on me dit, après, j'en sais rien, mais ben, normalement, non, il va pas m'agresser, quoi que ce soit. Voilà. Mais j'aime pas. J'aime pas. Donc, je préfère changer mes horaires de sortie. Voilà. J'avais pas vu qu'il y a des trous hein, sur le terrain. Non, je suis dans le parc là. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Attendez. Ah ben du coup je peux aller au fond, il n'y aura pas le chien qui va aboyer normalement. Il doit être dedans avec ses maîtres. Donc du coup j'ai décidé de changer mes horaires. Oh, j'ai dit, moi je le connais pas le type. Et ça faisait un moment, je sais pas s'il est toujours ou pas, hein, puisque j'ai changé mes horaires de sortie. Mais ça faisait un moment quand même qu'il traînait, donc et puis il habite pas ici. Quoique moi je vais bien ailleurs, je vais bien ailleurs et les gens me disent rien. Moi je vais ailleurs, des fois il y a un banc, je vais m'asseoir. Hein. Je vais m'asseoir parce que je suis un peu fatiguée, donc du coup ben, je fais comme les petites vieilles, hein, je m'assois et tout. Il y a les appartements, ce sont des HLM. Et bon, moi j'en ai rien dit. Hein. Maintenant si on viendrait me demander, oui, ben oui, j'habite pas ici, je m'assois pour me reposer et puis voilà quoi, je veux dire. Hein. Si on me pose la question, il n'y a pas de souci. Mais bon, je pense que j'ai quand même, vu que j'ai quand même pas la tête, je ne suis pas un punk quoi, je suis pas un, vous voyez ce que je veux dire? Voilà quoi, j'ai peut-être pas une tête non plus qui va faire que les gens vont prendre peur en me voyant. Voilà, en plus moi je suis super cool, donc moi je m'assois tranquille hein, quand je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'a fait miaou? Un tout petit miaou de Renuto? Qui a fait ça? Hein? C'est qui? C'est Sacha. Sacha. Oui, Sacha. Je suis là.
Mais oui, je suis là. Mais oui. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là là. Là, qu'il n'y a pas trop de moustiques, j'ai oublié de mettre le produit. Sinon, je vais me faire bouffer là. Bonjour mon titi. Bonjour mon titi. Oh les petites chauves-souris. Il y en a plein de petites chauves-souris. Bon, bah alors aujourd'hui, bah, vu qu'on est samedi, je suis sûre qu'on est samedi. Bon, taillage de haies. Voilà. Oui, alors, bon, si jamais ça coupe, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, donc je me suis renseignée. Donc la juriste m'a laissé un message sur mon répondeur pour la mobylette. Si je veux acheter une mobylette, quelque chose comme ça. Pas une moto, hein, parce que j'ai pas le permis. Hein. J'ai parlé d'une mobylette. Voilà, mobylette, bon, j'en sais rien. Donc elle m'a dit de téléphoner. Ça dépend, ouais, téléphoner donc à Adil. Puis ça dépend, même Adil m'a dit, ça dépend ce qui est noté sur le contrat de la copropriété. Voilà. Ça dépend si c'est noté ou pas que je puisse mettre une mobylette dans le jardin. Est-ce que c'est noté ou pas? Voilà. Il faut que je regarde sur le contrat de la copropriété. Donc ce que je ferai, c'est que le jour où je serai certaine que je veux acheter une mobylette ou quelque chose comme ça, j'amènerai le contrat chez Adil directement. Ils vont le lire et ils me le diront. J'ai appelé mon bailleur pour savoir, donc mon bailleur n'avait pas le contrat sous les yeux, mais il lui semble bien que oui, dans le jardin, c'est considéré comme c'est considéré pour la mobylette, tout ça, c'est comme si je mettais mon vélo dans le jardin. Voilà.
Je peux le mettre. Mais il n'avait pas le contrat sous les yeux, donc il n'a pas pu me le confirmer. Mais oui, normalement, c'est dans les locaux à vélo qu'il ne faut pas mettre les mobilettes. Mais dans le jardin, je peux. Mais il faudra que j'amène. Moi, j'ai décidé d'amener mon contrat chez Adine pour être sûre. Pour mon assureur, donc j'ai appelé mon assureur. Oui, bien sûr, tout sera assuré. Par contre, il faut que j'achète les cadenas avec la référence. On m'a donné la référence. Voilà, il faut acheter un cadenas anti-vol. Il y a une référence, il y a un truc esprit. Voilà. Bon, sinon, voilà, normalement, je peux, oui, bien sûr, le mettre dans mon jardin. C'est comme si je mettais un vélo. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas pour le moment parce que voilà, j'ai des choses de prévues. Parce que voilà, si jamais je veux déménager, en vérité, j'ai beaucoup de choses de prévues. Donc c'est pour ça que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine. Je ne sais pas. Bon, et en plus, il faudra que je fasse un crédit ou un prêt, hein, bien entendu. J'ai commencé à regarder sur Internet un peu les prix, tout ça. Parce que moi, je veux l'acheter neuf. Hein. Voilà, ça fasse le moins de bruit possible. Que ça roule quand même, c'est possible, à plus de 50 à l'heure. Hein. Ben oui, je pense. Les mobilettes, elles roulent à 45 à l'heure. J'ai pas envie de rouler à 45 à l'heure, moi. Oh. Bon, 50, c'est normal. Mais après, quand c'est 70, j'ai pas envie d'être là en train de rouler à 45. Hein. Voilà. Bon, en plus, j'ai mon permis voiture. Donc, normalement, je peux en acheter une. Alors, je ne sais pas si je prends une mobylette ou un scooter. En vérité, j'en sais rien.